C'est un souvenir quelque peu encombrant que Total a laissé sur le site de l'ancienne usine AZF. Une décharge, tout simplement. 10 hectares au sud de l'Oncopol, perdus dans la nature, encadrés par les fameuses balastières, ces étangs remplis de nitrocellulose, propriété de l'État. Comme le rapportent nos confrères de Mediacité, cette décharge, baptisée le Terril, a recueilli pendant des décennies des résidus de produits de l'usine et des gravats. Le Terril, c'est un endroit où on déposait les matériaux de démolition, de déconstruction de l'usine et de bâtiments qui ne servaient plus à rien. Oui, c'est une décharge, oui, plus ou moins contrôlée. Ils n'y mettaient pas n'importe quoi non plus, quand même. Mais enfin, bon, là, quand on avait des produits, des ratés de fabrication au niveau des cols, malheureusement, moi, je sais que j'y suis allé par deux fois pour y déposer des cols uréformol. Année 80, AZF cesse ses pratiques, le Terril retourne à la nature. Après l'explosion de l'usine AZF, Total dépollue le site, mais pas le Terril. Trop compliqué, explique le groupe, qui assure que la pollution était maîtrisée. Pourtant, un rapport de 2007 montre des traces de nitrate, d'ammonium et de métaux dans le Terril. Toulouse, qui se bat pour se débarrasser des balastières, verrait d'un bon œil une dépollution globale. J'espère bien que ce Terril sera traité en même temps que les balastières, comme nous souhaitons que les balastières soient traitées au plus vite, comme l'a souhaité Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole, depuis le début de son mandat en 2014. Il ne s'est pas passé une année sans que le maire, président, n'alerte le ministère, le Premier ministre, sur cette question-là. En janvier dernier, Bernard Cazeneuve, Premier ministre, avait promis la dépollution des balastières d'ici 2022. La mairie de Toulouse va relancer prochainement le nouveau gouvernement à ce sujet, ajoutant au dossier la question du Terril.